Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon, ça va, bienvenue sur Watch Dogs Légion pour la suite du Let's Play. Allez, on continue, on doit approcher de la fin, là. Il ne reste plus que 0 day. On va devoir suspendre notre filature pour l'instant. Vous êtes paré à combattre? Toujours. C'était une question rhétorique. Je vous ai envoyé l'emplacement approximatif du signal du hacker de Zero Day. Malheureusement, je n'ai pas ses coordonnées précises. Il va falloir que vous fouilliez la zone. Bonne chance et faites vite. Merci, Bagley. Allez, on y va. Vous êtes tout près du point d'origine du signal utilisé pour pirater notre réseau. L'origine du signal du piratage est très proche maintenant. Il doit provenir d'un fourgon. Ok, on va récupérer ce fourgon et donner une bonne leçon à ce hacker. Oui, ils font ça. Ce van est autonome, mais il semble protégé par des drones armés. Changement de plan, restez suffisamment près que je trace l'origine du signal de contrôle. Oh, cool, bien sûr! Mais si j'y reste, je t'en tiendrai responsable et je viendrai te hanter. J'en prends note pour votre épitaphe, le cas échéant. Je sais pas, j'ai des doutes sur Amish. T'es pressé de venir nous voir dans la planque. Alors, cassez-vous. Bon, il faut se barrer de là. Allez, ils ont explosé, c'est bon. Ils ont explosé sur le bus. La cible a disparu. Visuel perdu. Je ratisse la zone. Allez, passez-vous. Laissez-moi passer. Traçage terminé. Le signal qui dirigeait le van provenait du bunker de Stockwell. Il y a de fortes chances pour que Zero Day soit basé là-bas depuis le tout début. Si c'est le cas, ils ont un sens particulier de la mise en scène. Je vais leur en montrer de la mise en scène. Envoie-moi les coordonnées. Allez, on approche.
vous approchez du bunker Stockwell, où se cache potentiellement l'odieux collectif de Hacker Zero Day. L'ascenseur qui descend au bunker de Zero Day est protégé par un étrange système de sécurité, une espèce de jeu de contrefaçon. Vous devez le résoudre pour accéder au niveau inférieur. Ok. Bon allez, il y a tant qu'à faire, de toute façon... Je ne vous ai pas prévenu. J'éviterai de me foirer à nouveau à votre place, sans pression aucune. Bon, faut faire quoi là ? J'ai pas compris. Pirater les écrans pour entrer le code. Ce système de sécurité date pas de la Deuxième Guerre mondiale. Qui c'est qui l'a modernisé ? Oh non, la vache. Ça devient trop compliqué pour moi, là. Te le noter parce que là ça devient un peu trop compliqué là. J'ai pas le temps. On peut pas le rejouer ou on va encore se prendre une décharge dans la gueule. Je vais retenter. Oh, je sais plus.
que c'est ça. Je suis pas sûr, mais... Je crois que j'ai presque tout. Deuxième, c'est celui-là. Après, c'était le troisième, celui-là. Quatrième, c'est celui-là. Le cinquième, c'est celui-là. Le sixième, celui-là. Le septième, c'est celui-là. Et ça, ça va être le huitième. Faire bon. Bon, ça va. Alors... On ne se sent pas les bienvenus dans leur carré VIP, n'est-ce pas? À en juger par la sécurité d'en haut, je m'attends à des mesures de sécurité pas très catholiques. L'humanité a oublié ses origines. Bah merde! Putain, là. Bordel! Cet endroit est vraiment la représentation parfaite de la grosse gênance. Que dalle! Immunisé contre le gaz, lui. Là, c'est bizarre. Normalement, ils avaient dit qu'on pouvait pas changer de perso. Bon, bah, tant mieux. On a pu prendre celui avec. Ah, son nom. Merde! Le véritable changement prend naissance. Il y a quelque chose de bizarre là-bas. Je vais jeter un coup d'œil. Nom de Dieu. C'est forcément la base de Zero Day. Bagley, trouvez un maximum d'informations au sujet de cet endroit. C'est... Oh.
Pas autorisé? Comment ça, pas autorisé? Répétez un peu. Qui n'autorise pas quoi? C'est... Bon, apparemment, je ne peux pas le dire. Est-ce que je peux dire au moins que c'est franchement casse-pied? Ah bah, c'est déjà ça. Ce hacker s'amuse aussi avec Bagley? Ok, fouille partout. Il faut qu'on cause cet enfoiré. Oui, je suis sans doute en mesure d'analyser des points de données individuels. En revanche, je vous conseille d'enquêter en vitesse. Je détecte une activité d'Albion dans la zone. Ils doivent être à la recherche de Zero Day, eux aussi. Eh ben, on dirait que quelqu'un n'a plus la lumière à tous les étages. Ok, alors... Zero Day a un accès secret à Filament, le superordinateur d'extrême surveillance qui obsédait tant Mali. Zero Day utilise la technologie de traçage par puce que nous avons arrachée à Mary Kelly. À votre avis, que peuvent-ils bien en faire? Zero Day sait fabriquer des drones Témis en rétro-ingénierie. Vous pensez qu'ils ont leur propre flotte? C'est le code source Bagley, une copie de mon cerveau, de chez Brocatech. Code que nous avons récupéré dans le laboratoire de Sky Larsen. Bordel! Il est clair que DedSec, à son insu, a dérobé des jouets pour Zero Day. Je détecte des appareils dans cet espace dortoir qui renferment peut-être des informations. Ah, qui c'est ça? De casse. Ça doit piquer, ça. Doucement, les garçons. Laissez-le respirer. Notre Guy Fawkes, mais c'est pas le bon masque. Va chier. J'ai pas posé cette bombe. Je l'ai désamorcée. Et même si je voulais croire un insurgé de DedSec, dis-moi, quelle différence ça fait après tout? Depuis quand Albion se charge d'être le juge et le bourreau? Londres n'est pas dans votre juridiction. Ah, maintenant, si. Votre attention. Que toutes les unités se mettent en place pour verrouiller la ville. On rassure la population. On aide les blessés. On sort les armes. Et que ça aille de la gueule devant les caméras, c'est compris? Ok. Bien, bien, bien. Si j'étais une IA joueuse, je parierais que Nigel Cass en sait beaucoup sur les attentats de Londres et sur l'emplacement de cette planque DedSec, comme si quelqu'un l'avait rencardée. Mais je suppose que vous ferez cette déduction à votre rythme. C'est l'heure d'un reboot complet. Oh mon Dieu. Pas facile, les ruptures. Londres est en train de brûler? En partie. Alors j'ai rempli ma part du contrat. Donnez-moi les codes de Filament. Un de vos amis de DedSec a fait échouer l'attentat du Parlement. Pour être honnête, je comptais vraiment dessus. Ça reste la plus grande attaque terroriste de l'histoire de Londres. Si ça ne vous suffit pas... Non, ça me suffit. Mais le contrat est rompu. Vous savez à qui vous avez affaire, Monsieur Cass. Je sais que vous avez posé des bombes dans la ville, oui, et trahi vos amis. J'ignore quelle bêtise vous allez faire avec un jouet aussi gros que Filament. C'est plus simple comme ça. Elle s'enfuit! Attrape-la! C'est pas vrai! C'était Sabine depuis le début! Elle a tué Dalton, elle a posé ses bombes! C'est elle, Zero Day!
Cela explique pourquoi elle a effacé ma mémoire. Ça nous fait beaucoup à digérer, mais traitons le plus urgent. J'ai localisé la provenance du programme Drool Britannia, cette console par ici. Ah bah, je m'attendais à ça. Ah, c'est la surprise complète là. J'ai trouvé Drool Britannia. Il s'agit d'une sorte de patch pour le CTOS. Ah, je sais pas comment l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est tout l'intérêt. Alors, impressionné? Tout dépend, ma chère. Qu'est-ce donc que Drool Britannia? Le grand formatage de la société. Là où DedSec répare des bugs, moi, j'efface le code source. Et je fais aussi griller le hardware, la totale. C'est vrai que vous avez fait un travail magnifique en m'aidant à voler toute cette technologie. C'est ça. Pendant que vous vous cachez dans votre bunker comme une lâche, où est le reste de Zero Day? Non, je fais ça toute seule. J'ai appris très tôt que personne n'est vraiment prêt à se sacrifier pour le changement. Les grands acteurs de l'histoire travaillent seuls. On dirait ma mère, et c'était une imbécile. Oh! J'espérais que quelqu'un ici comprendrait pourquoi j'ai fait tout ça. Mes petites recrues. Je suis désolée. Mais une fois de plus, DedSec ne me sert plus à rien. Dispersion! Tant de gens vont souffrir aujourd'hui. C'est un honneur de mourir avec eux. Ratissez la zone. Bagley, aidez-moi un peu. Il semblerait que Sabine n'en ait pas terminé avec nous. Elle m'a enfermé. Il me faut du temps pour craquer le système de sécurité et ouvrir les portes blindées. Tâchez de survivre jusqu'à la fin du processus. Je sais pas pourquoi je demande. J'ai déverrouillé les portes. Je vous suggère de vous enfuir en vitesse. Allez, go. Allez. Vous allez devoir trouver une autre issue. Albion a déployé des unités pour intercepter nos agents dans toute la ville. D'accord, bande de chiens. Montrez-moi un peu de quoi vous êtes capable. Ça n'en finit plus. Il y a encore des mecs là, hein. Je vois encore 4. Je
Ah ok. Le mec, je sais pas où il était. Il était dans la... Bordel, ça secoue. Mais je leur ai échappé. Bravo, c'est de toute beauté. Qui c'est qui m'a balancé au keuf? Ils vont me choper, putain. Pareil ici, on est grillés. Faut qu'on se regroupe. Sabine a divulgué vos positions à Albion. Tous les agents sont actuellement compromis. Je vous suggère de faire profil bas et d'éviter les regroupements. Je vous enverrai un point de rendez-vous discret. Thank you.
là, écrasé. Évitons les barrages. Eh bon. Je vais essayer de lui rentrer dedans. Ah, allez. Yarsus, j'entre en collision avec la cible. Bordel! Qu'est-ce qui se passe là encore, Bagley? Je n'en suis pas sûr, mais j'ai sécurisé un point de rassemblement d'urgence loin de la planque. Je vous envoie les coordonnées. Ok, allez, on y va. Allez. Central, il y a un 1154 ici. Répondez. Je pensais avoir été super clair. Ouais, alors, qu'est-ce que tu peux y faire, hein? Où sont passés les autres? Il m'était absolument impossible d'isoler un seul lieu sûr. Alors j'ai envoyé chacun de vous à une adresse différente. Alors c'est pour ça que je me gèle les miches dans ce clocher. Gna gna gna. Moi perso, je suis entassé dans le monte-charge d'un hôtel. Bon, si vous avez fini de vous plaindre de la manière dont j'ai sauvé vos petits culs d'ingrats, reprenons le briefing. Ici Zero Day, heureux de vous rencontrer. Ces petits attentats d'il y a quelques mois étaient un signe de bienvenue. Nous allons enfin faire plus ample connaissance. Cette technologie dont vous dépendez tant, les voitures automatiques, les sagement mémés, les cœurs artificiels, tout se retournera contre vous. Le monde moderne deviendra un enfer. Vous ne comprendrez certainement pas, mais c'est pour votre bien. Uniquement. La destruction est toujours le remède. Alors, votre attention s'il vous plaît. C'est du lourd. J'ai découvert à quoi servait le patch Drool Britannia. Il m'est destiné. Zero Day, enfin Sabine, utilise une mise à jour de l'OS Bagley qui nous permettra à moi et à tous les autres Bagley d'accéder simultanément à chaque système vulnérable connecté au CityOS. Mon OS est intégré aux infrastructures clés de toute l'Angleterre, centrales électriques, hôpitaux, aéroports, banques et j'en passe. Lorsque j'aurai accès à ces systèmes, le patch les compromettra au point de déclencher leur panne. En conséquence, Londres et toutes les autres villes seront plongées dans le chaos, ce qui semble être l'objectif. Malheureusement, il m'est impossible d'annuler la mise à jour. Sabine a pensé absolument à tout. Est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas moi, de tuer tous les Bagley?
Votre éclatant détachement quant à ma mort est peut-être la réponse. Oui. Alors on doit entrer chez Brokatech. Exactement. Vous devez détruire simultanément les serveurs qui m'hébergent et le réseau Bloom afin de m'empêcher d'accéder à mes sauvegardes. L'un de vous se rend donc chez Broca et l'autre à la Bloom Tower. Je vous expliquerai en chemin. Ok, bon, on va s'arrêter là. Le Britannia a été déclenché et des millions de mines et moi sont en train de ravager les infrastructures de Londres. Vous avez intérêt à me liquider au plus vite. Bagley nous a tous réunis. On le tuera pas et c'est la dernière fois qu'on en parle. C'est pas l'heure pour les sentiments. Il y a des vies humaines en jeu, là. Bagley, c'est que des lignes de code. Bon, très bien. Inutile de pleurer. Je vais à la tour Bloom assassiner Bagley. Comment on s'organise? On se coordonne. Vous devez atteindre la tour et désactiver Bagley. Mais ça n'arrêtera pas l'attaque. Ces serveurs Brokatech se rebooteront immédiatement. En le mettant hors ligne, ça nous laissera une petite fenêtre pour qu'un autre agent désactive ces serveurs de façon permanente. Travail d'équipe, ma gueule. Tu fais ton truc, tu passes le relais. Ah, c'est pas simple. Mais je vois pas d'autre solution. Envoyez-moi l'emplacement, Bagley. Elles me manqueront, nos conversations. Ouais, bon, on va cesser là-dessus. Grosse mission qui nous attend, donc on fera une seule fois. Vous feriez bien de vous dépêcher. J'ai déjà saboté les chaînes d'approvisionnement médical. Les hôpitaux vont être hors service. Ok, bon, allez, on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour ne rater de mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc pour une prochaine. Et d'ici là, peut-être la dernière. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao, ciao.